Bonsoir tout le monde. On se retrouve en ce jeudi. En ce moment, c'est un night, je vais faire des cercles et je me suis retrouvé à 60 lignes droites. Je dirais que partir là-dessus. Alors, j'ai découvert que la majorité des trucs là, tout ça, c'est tous Donc, les trucs d'élan. Pas d'élan, le guet et les contacts, c'est tous des trucs qui se refont à l'infini pour farmer des matériaux, des trucs pour obtenir des meilleurs équipements. Je les ferai pas à chaque fois. Pareil pour l'équipement court, fou au final, tant que j'ai pas besoin de farmer, je m'en balèque. Les objets à collectionner, c'est un truc à faire en off. Je suis trop chiant à faire en live, surtout quand t'es pas simplement tout seul. Déplacement héroïque, ça se fait tout seul. Enfin, non, ça c'est des courses, donc ça peut se faire, et ça, bah, quand je pourrais le faire, je le ferai. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a autant de quests, et que, bah, du coup, je n'ai pas vraiment fait. Je m'attendais à avoir des histoires avec avec le guet ou avec les contacts, mais il n'y en a pas du tout. Que la météo a parlé d'une période glaciaire. La température a chuté de 15 degrés en quelques minutes. Un front d'air froid intense. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pas sans un coup de pouce. Freeze. Freeze peut changer la météo? Freeze peut changer la météo. La tempête est localisée autour du centre, Elliot. On doit tout de suite y aller. C'est un peu ce que la police disait dans les messages qu'on a entendus. Non? Wow! Oula! Classe quand même comme ça. Enfin, ça fait gros bâtiment de villa hein, mais comment ça, c'est sûr que c'est Freeze? Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas qui c'est que j'ai tapé. C'est la police ou c'est. Non, c'est des rivières. C'est des rivières, j'imagine. La police, elle est dans la rue, genre. Le GCPD peut pas gérer sa selle. C'est pas pour ça que t'es là, non? Hein? Tu vas grimper? Et il a dit c'est bon juste ici. La tempête se renforce. Je vous recommande de vite trouver un accès au centre Elliot. C'est en chargement. Merci l'hélico du GCPD. L'hélico, il a tout fait péter. Ah, je peux pas les éliminer au corps à corps. Ensuite, eux. Ici, mais froid. Le GCPD annule les...
Ouais. Le poids de la glace peut rendre le bâtiment instable. Bien sûr. Tu dois attendre la machine météo. Tu dois pas avoir beaucoup de temps. Je fais au mieux. Évidemment. Ah, c'est peut-être trop vite. Qui gâche tout? Est-ce que quelqu'un me demande si je vais faire? Oh non, mais c'est surtout hyper prévisible, la gueule. Prendre place. Tu sais que le temps est pointé, il court un peu. Il y avait encore des visites en cours quand Freeze est arrivé. Ils ont rien pu faire pour l'arrêter. Ben quoi ? T'as jamais vu justicier avant. Il m'a retrouvé quoi. Chez moi. Je vais disparaître. Vraiment qu'ils passent en dessous pour que je puisse les toucher avec le truc silencieux. Je peux faire mon coup là d'avoir utilisé l'autre, enfin, sans vraiment faire exprès, j'ai utilisé l'autre pour celui que j'avais déjà battu pour choper le prochain. Lui qui va s'énerver, à mon avis, il va le voir. Non, pas du tout, il part dans l'autre sens. Non! Bon, ça a compté, mec. Ils m'ont pas détecté, tant pis. Shoot, miss. T'as rien vu.
pendant que l'autre s'en va inspecter, il y en a un qui se fait sympa le machin, le petit coup là. Ah merde, je suis foutu. Pas grave, j'ai eu mon objectif bonus et puis c'est le dernier. Ouvrez les portes de l'ascenseur. Bon, bah, j'imagine qu'à la fin de cette mission là on va arrêter Freeze aussi, en espérant qu'il y en ait d'autres, des quêtes comme ça avec des criminels avec des super vilains connus de Batman. Celui, un peu, je suis toujours un peu déçu que Harley se soit terminé si rapidement. J'aimais bien son design. Pas avant qu'elle enfile son costume d'arlequin, là, mais. Je suis presque. Je vois la machine météo. Le brouillard est paré. Attention, la machine siphonne beaucoup de courant. On coupe tout. Brouillard de champ en place. Et il se charge. Pour la défendre. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Une tempête s'est levée sur Gotham. Et rien ne pourra l'arrêter. L'avenir nous le dira. Aïe. Pas un coup, il down. Non, il n'a pas à chaque fois. Je vais prendre plaisir à te détruire. Rien ne pourra t'arrêter. Tu vas connaître la souffrance. Ah là, il est dans, dommage. Ah putain. Oh, il va peut-être mourir. Ça sert quoi là, moi? Je peux pas l'esquiver, ça. Okay, il revient. Ah, il m'a frise. Forcément, j'ai pas le choix là. Je peux pas bouger.
devoir jouer. Ah, pas en avant. Pourquoi c'est devenu rouge? Est-ce qu'il me freeze maintenant? Que je peux plus esquiver comme je faisais. Il mieux courir. Moi je ne fais rien avec les tomphards sur les esquives. C'est vraiment ridicule. Le brouilleur de champ est presque chargé. J'ai peur qu'il reste peu de temps avant son déclenchement. Oh putain. Je suis mort de complètement. On doit un checkpoint quand même. C'est cool. Ah putain, j'ai pas fait attention. Oh, on va se faire mettre. Ah ouais, j'arrête d'utiliser le truc qui cogne, ça sert à rien. Ok. Le brouilleur de champ est presque chargé. J'ai peur qu'il reste. Là, j'imagine que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reste au milieu. Jusqu'à ce que les lasers tombent, en fait. Voilà, là ils descendent, je peux m'enlever. Oh, ta fuck. Forcément, c'est pas la même chose que tout à l'heure. On est pas dans la même phase. Non. Ok. Oh putain. Ah. Ah, ça change de côté. Putain. Faut chier, sérieux. Et j'espère qu'il n'y en a pas d'autres après. Ça saoule. Ah putain.
avoir poussé du heal, lui. J'aurais dû le laisser mourir, mais ça ressemblait à une menace. Victor a toujours eu le potentiel de semer le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une once d'humanité l'en empêchait. Et maintenant, eh bien, on remplace son humanité. Vague de froid. Ok. Nouveau palier atteint. Ah, dans les trophées. Ah, ok. Vous revoilà. Il est écrit 19:29 sur l'ordinateur quand je me suis approché. Et je crois que c'est vraiment l'heure actuelle. Ah. Parlez, Alfred. Ma porte est toujours ouverte. Où est-ce qu'il est ? Alfred. Ok. Ok. Allez. C'est bon. Freeze a beau être en prison, ses armes cryo sèment toujours le chaos dans les rues. Il en faudra beaucoup plus pour que les régulateurs renoncent à cette technologie impressionnante. Il faut qu'on détruise les stocks qui leur restent. Mais d'abord, on doit trouver où ils les planquent. Il serait temps de discuter avec nos amis régulateurs, dans ce cas. Vous êtes télépathe. Ah, c'est pas fini. Interroger des régulateurs. Ok, bah. Rencontrer Marc. Atteignez le dernier emplacement. On le fera sur le chemin. Oui. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Hendrix. Bien reçu, Beffroi. C'est vrai que j'ai personnalisé un peu la moto. Je sais qu'il y en a débloqué quelques couleurs.
KO. Ah, c'est dernière position connue, oui. Il va falloir analyser. Et il y a clairement une scène de crime. Je veux pas la... Ouais. Ils doivent pas être loin. Ils doivent pas être loin. Ça, ça doit être Hendrix. On a besoin d'agents près du centre de recherche navale de Gotham. Ouvrez la porte. Allez. Des sbires de la cour. Hendrix est par ici. Cette prise de claque. Oh la vache, chiant avec mon flingue de merde. Oh, ils ont carrément laissé son terrain enragé. Oh la vache, il n'y a pas moyen de cibler genre, enfin pas comme ça, mais de verrouiller une cible. Ah dommage. J'ai pas commencé assez tôt. J'imagine que c'est lui. Je savais que ce jour arriverait. Si vous saviez toutes les choses que j'ai entendues à l'hôtel. La cour vous laisse assurer que vous ne parleriez pas. Quoi, ils existent vraiment? Ça explique les masques. Écoutez, un de mes gars leur donnait des infos et vous savez quoi? Vous devriez les avoir aussi. Merci. Ce sera particulièrement utile. Cette ville part vraiment en vrille, je vous jure. Ça date pas de ce soir. Fait froid. Hendrix est sain et sauf. Et j'ai les données qu'il nous faut. Bonjour, donc fait froid. Excellent. Bon, bah, attends. Pour que nous puissions décider des prochaines étapes. Aucun problème. Ça sera bientôt sur les lieux. Il faut que je bouge. On va faire au moins ce truc là, parce que pour la quête de Freeze, il faut que j'en interroge un. Hein. On va y aller, on va lui péter sa gueule. On va interrompre la transaction. Il aurait pu avoir une attaque, genre ça l'interrompt son truc et... Des attaques silencieuses, ça va être chiant. Il est où le mec avec... Il est là. On rate le chaos. Ça marche pas.
Oh, puis le dernier, c'est un gros. Je peux pas l'attraper, lui. Ok, je retiens ce que j'ai dit. J'ai eu un level up. C'est bon. Il y en a un autre. Oh, ah non, c'est la même. Comme ça. Ah. À l'éternel, première année. Non. 180, le meilleur. Je serai tri dans mes modes. Ok. Il veut pas me donner de corsaire. Ok, c'est quoi le nouveau? Démon, corsaire, métal, opération chevalier. Tenue actuelle, palette. J'ai sûrement pas, je peux peut-être pas la mettre hein, en étant dehors du fort. J'ai récupéré les données de chez Hendrix. Ce sera bientôt prêt. J'ai vu Bruce faire la même grimace quand il séchait sur une enquête. À quoi tu penses? Tout commence au moment où Ra's al Ghul attaque Batman, mais j'arrive pas à établir un lien. T'as jamais eu à combattre la Ligue, n'est-ce pas? Ra's était un intégriste. Il a fondé un article qui est écrit par intégriste. Il y a des siècles pour éliminer la corruption. Sa philosophie, si on se parlait comme ça, c'est qu'il faut savoir détruire pour reconstruire. Il a rasé de nombreuses villes au fil des siècles. Il s'en est pris à Gotham. Batman l'a arrêté. Étant admiratif, il a fait de Bruce son héritier. D'un coup. Mais Bruce lui a dit non merci. Résultat, Ra's a laissé Gotham tranquille. Jusqu'à ce qu'il se pointe à nouveau et... Bruce. D'après Talia, Ra's se conduisait bizarrement quand il est mort. Ouais. Je parie qu'elle nous a pas tout raconté. Minute. Et si le point de départ remontait à plus loin? Batman est mort alors qu'il enquêtait sur la cour des hiboux. Tu crois que Ra's était au courant? Mais pourquoi attaquer son héritier? Il a deux obsessions. Purger la corruption et protéger les puits de Lazare. Alors si la cour se sert d'un extrait des puits pour créer des ergots... Ra's pète un câble, il intervient, ça dégénère, lui et Bruce trouvent la mort. Et sans Batman pour enrayer la corruption de Gotham, la cour déploie ses ailes petit à petit. La Ligue suit Ra's jusqu'à Gotham. Bonsoir. Il n'y a personne pour les empêcher de frapper la cour. Gotham City devient l'épicentre d'une putain de guerre.
Et personne pour la sauver. Ah si, vous êtes là. Alors on va s'y coller. Ouais. C'est ça. Et on sait ce qu'on doit faire. Démanteler la cour. Et chasser la Ligue de Gotham. Ils ont sache que c'est le Game Change, j'ai changé mon truc. Oh la vache. Avec la console, c'est pas toujours logique. Hein. J'ai changé de titre, pourtant normalement il se fie au titre et comment il s'écrit le titre du jeu déjà? Parfait. Attends. Le disque de Monsieur Hendrix nous a fourni exactement ce dont nous avions besoin. Le titre est pas bon non plus. J'ai changé le titre pourtant. Une cachette pour Monsieur Hendrix. Son ancien merci de l'avoir dit, je vais changer. Contente de l'entendre. Gotham Knight. Un A avec un S. Plusieurs. Pas de... C'est quoi? Non, on a le B, s'il te plaît. Oui, voilà. Français, blablabla. Je vais bien, et toi? Ça roule. Pardon, je dois faire quoi, du coup? Entrer dans l'Offard Hotel. Activité secondaire. Progresser dans notre enquête. Bon, on va y aller comme ça. Ah! Attends. Attends, j'avais crafté des trucs tout à l'heure. Là. 194. Bah, il est encore mieux que celle que j'avais. C'est ça le message qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit ne me crafte pas, t'en as un mieux. J'ai quand même crafté comme un con. Mais c'est pas grave. Là, il n'y a pas de mode. Celle-là, je peux en mettre un. Il est bleu, celui-là. Oups. On va essayer de s'en faire un de meilleure qualité. Fusionner. Ça m'en fait un rare. Enfin, épique. Bouge de santé. Est-ce que je peux essayer de faire encore mieux? Je fais la même chose. Same thing. Si je les prends comme ça, ça me fait un rare lock. Distance, santé 11. Moi je crois que je vais mettre un de celle-là quand même. Un des deux violets, c'est la même chose. Bonne de santé. Ça a vraiment monté le... Puissance 320, 362. Va battre ça. Palette. Ouais, j'ai débloqué des couleurs. Moi, je fais toujours ma éternelle. Deux points de capacité. Lesquels seraient bien? Chance de bagarre au sujet des critiques de 10. Piratage change la fonction. Ah ouais, la fonction des trucs. Ouais, c'est ça, je deviens... Je peux corrompre les... Le système électrique.
caméras deviennent les miennes. Et ainsi de suite. Je sais pas sur quoi je peux. Qu'est-ce que je peux tout pirater, mais en tout cas, je sais où je vais. D'accord. Besoin de quoi, c'est des régulateurs. Non. On va y aller comme ça. Oh my. Mais ça va aller plus vite de cette façon. Je fais ça là. Hop. On gagne du temps. J'ai atteint leur char d'hôtel. Les portes de la terrasse doivent être ouvertes. Vous pouvez entrer par là. Un penthouse? Vous avez mis les moyens, Beffroi. Évitez d'y prendre goût. Nous n'avons plus accès aux cartes bancaires de Bruce. C'est vrai, ça, du coup. Putain. La Bat-Family va devenir pauvre. De avoir un héritier parmi eux, je sais pas qui c'est pas Nightwing. Je crois que oui. Beffroi, j'y suis. Allons chasser les hiboux. Il faut que tu te concentres. Trouve un bon endroit pour espionner la salle de bal. La sécurité ne doit pas te repérer. Alors fais profil bas. Ah. C'est la salle de bal. On dirait que la fête bat son plein. Quand j'analyse les yeux, c'est comme ça. Il serait crétin de pas venir. On va le chaos. Viens. Je vais pas venir. Cool. Oh. Il a cru me voir, il m'a pas réellement détecté. Impossible de passer, me faire foutre. Beffroi, j'y suis. Allons chasser. Ouais. Je peux jouer. Je peux jouer à chaque fois qu'il y a. Si les gardes te voient, c'est foutu. C'est la salle de bal. On dirait que la fête bat son plein. Je parie que la salle sera pleine d'enflure comme ces deux-là. Les gens cherchent qu'à s'enrichir. Voilà. Bah tu vois. Oh putain.
C'est du bruit. Le plan est foutu. Je m'attendais pas à ce qu'ils m'entendent à ce point-là. Bon, en espérant que la porte sorte de checkpoint. Ouais. Cap qui nique tout encore là. Alors, je sais pas si c'est temporaire par contre. Ça doit être l'entrée. Pourquoi il mettrait ça là? Encore ta stupide théorie. Tu as vu l'ascenseur? L'hôtel n'a pas de 13e étage. Je fais que passer. Ouais, les caméras sont temporairement de mon côté du coup. On va impressionner la voix ce soir. Tiens. T'es parti de la cour, alors mets-le au tapis si tu peux. Ok, c'est bon, je peux me battre. Il y a forcément quelqu'un. Bon, allez, tant pis. J'ai plus l'obligation d'être discrète. On va rentrer dans l'art. Attends, mon petit qui n'est vrai boss. Petit coffre. C'est tout. Attends. Bah genre je retourne sur mes pas. Ah non. Une ouverture. Parfait. Beffroi, je suis devant la salle de bal. Je vais entrer. Voyons combien de hiboux il y a dans ce nid. Fais attention et enregistre tout ce que tu peux. Une tenue correcte était exigée ce soir. C'est une tenue correcte, ça. Cain et Montoya. Tu as entendu pour l'assistant de Langstrom? Il méritait de partir. Comme Kirk, les gens oublient leur vraie place. La voix se souvient. J'ai toujours pas trouvé la voie. Ça reste un hibou. C'est tout ce qu'ils ont pu concocter pour le grand Bruce Wayne. C'est vraiment pathétique. À ma mort, ce sera un vrai spectacle. Des feux d'artifice, des danseurs, des sculptures de glace, la totale. On va voir. C'est dur à croire que Bruce Wayne soit parti. Je sais. J'espérais être sa cavalière cette année. Comment ça, il peut pas me recevoir? Je suis quand même le maire. J'ai peur qu'il ait pas le temps pour ça. Dites au colonel Kane que je ne renoncerai pas. Je mérite le respect, non? Bien sûr que oui, maire Tsai. Je transmettrai votre message. Vous avez signé le livre d'or? Comment y échapper? J'ai des gens à épater, moi. Vous avez vu le gratin qu'il y a ici? Oui, des sénateurs, des juges, des PDG et même le maire. Regardez ça. Même dans la Cobblepot. Il essaie de nous supplanter. Laissez-le profiter de sa soirée. Bientôt, ce ne sera plus un problème. C'est vrai. Nous devrions plutôt célébrer sa mort. Que pensez-vous que ce soit? J'ai quelques résultats. On va neutraliser ces gens. Vous êtes déjà allé dans l'escalier est de l'hôtel? Celui qu'ils ont condamné? Il serait hanté. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des bruits, voire des cris. Et des griffures sur les murs. Intéressant. Reste à... Les affaires vont bien, même très bien. Qui aurait cru que ça nous donnerait à tous un bon coup de cravache? Pardon de vous interrompre, mais c'est l'heure. Ah, bien sûr. Nous continuerons cette conversation plus tard. J'en ai un autre.
Gotham. Puis-je avoir toute votre attention. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre hôte pour la soirée. C'est sûrement la voix de la cour. Il essaie même pas d'être subtil. Merci pour votre chaleureux accueil. Mais cette soirée n'est pas pour moi. Nous sommes là pour rendre hommage à l'un des meilleurs fils de Gotham, Bruce Wayne. Oui, vous connaissez tous le Playboy. Je connaissais sa générosité. Il défendait Gotham de tout son cœur. Même s'il n'est plus là, les nombreuses contributions de Bruce se ressentiront encore pendant des décennies. C'est pour toi, Bruce. Dernier héritier de la merveilleuse famille Wayne. Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissions-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Je crois que je viens de trouver la voix de la cour. Bien, ne le perds pas. On doit savoir qui c'est. Monsieur, les labos demandent plus de dionésium pour tenir les délais de production. Je sais bien. Des arrangements sont en cours. Dites-leur que le quota doit être respecté. Pas d'excuses. Merci, monsieur. Comment ça? Pourquoi il y a un mur? Visible. Oh là là. Oh mais c'est que des caméras de toute façon, ça c'est pas. Alors attends, il est où le machin? Le toile, ça va être intéressant, tu vois. Là, ça déclenche pas d'alerte ni rien. C'est pas très. Localiser la voix. Bon, tant pis pour le bonus. Je suis peut-être enfui là, sans faire exprès. Ouais, je crois que j'ai. Non, il tourne en rond. Alors casse la gueule. Frac. Paf. Fini. Comme ça qu'on fait. Cours de jouer. Excellent. Rendez-vous en bas. Oh, l'intérêt de pouvoir jouer du piano. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout, dans les endroits où on retrouve la cour. Batgirl, on a
aurait trouvé un 13e étage caché sur les plans de l'hôtel. La voie est peut-être passée par là. Il vaudrait mieux éviter de déclencher une alarme. Oui. Ah, Kenna, elle ne veut pas utiliser le piano. Ouais, histoire du 13e étage. Il y a plein de bâtiments dans Gotham. Ça vient du comics. Il y a plein de bâtiments dans Gotham, des gratte-ciels et tout. Le 13e étage n'existe pas à cause d'une superstition. Et au final, la course a instauré elle-même cette superstition il y a longtemps, de sorte à pouvoir se créer. De sorte à pouvoir se créer des repères cachés. En utilisant le 13e étage des bâtiments. C'est compris. Faites très attention. De toute façon, ils ont pu planquer des nids de hibou un peu partout. Dans les perchoirs de Gotham. Dans les grands, grands bâtiments. Les portes de l'eau. Un peu étrange qu'il y ait deux points d'accès. Par contre, j'avoue que. J'en aurais mis qu'un seul. Il faut bien qu'on puisse s'infiltrer et gagner, mais. J'en aurais quand même mis qu'un seul. Non. Histoire de. D'être sûr que si un ennemi s'infiltre, il soit obligé de passer par le. Passer la voie. Beffroi, des indices sur le chemin à suivre. Beffroi. Pas de chance. Il doit y avoir un brouilleur ici. Pas les bonnes notes. Et quand ils disaient entre les murs de Gotham, ils écoutent, je connais plus la cantine par cœur. Ils ont les vieux discours de la cour sur vinyle. Bonjour la modernité. Bah, ils sont vraiment entre les murs de Gotham, tu vois. Pourquoi je les écoute, j'imagine. Ouais, elle fait des 180. C'est un fact assez connu sur l'animal, de ce que j'en sais. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je sais ça. Non, je suis obligé d'écouter. Et tu ne voudrais pas jouer les bonnes notes? Non, Batgirl, c'est pas cela. Il y a trois vinyles. La cour des hiboux voit tout entre les murs de Gotham. Voilà, voit tout entre les murs. C'est une vérité littérale. Nous bâtissons nos nids parfaits au sein de notre ville parfaite. On dit que la tête du hibou peut faire un tour complet pour mieux voir derrière. On va voir si j'ai pas manqué des infos après le. Ah, il y a le truc là-bas à analyser, je n'ai pas capté. Oh, un bouton caché. Tout n'est que secret. On dirait que la voix a ordonné une réunion. Qu'est-ce qu'il regardait? Plan architectural.
Oui. Plan de la ville. Merde. La cour a vraiment tué Langstrom. Si je fournissais cet enregistrement à un juge, ça suffirait pour une inculpation. Je reconnais certains de ces noms. Soit ces gens ont disparu, soit ils sont morts. Langstrom en fait également partie. Ça doit être une liste de personnes. Donc on peut connaître leurs futures victimes. Et donc, les prendre de l'avance sur eux. Et maintenant... éliminer les membres de la cour. Ah, bah bonjour les gars. Comment ça va? Oh. L'architecture de Gotham. La cour a dû s'impliquer dans la construction de tous ces bâtiments. Oui. Résolvez l'énigme. Oh. C'est okay. Évidemment le commissariat du GCPD. La mairie. Hein? Arkham? Non. La cathédrale de Gotham. Cathédrale de Gotham. Donc attends, la mairie est là, ça c'est le GCPD, je crois. Donc c'est ça le GCPD. Il y a un ordre pour les activer, ok. Voilà le tribunal. C'est le tribunal. Est-ce qu'il faut pas dessiner petit à petit un... Non, ça marche pas. Les images correspondent pas. Symbole unique gravé sur une plaque. Merci des infos. Ça m'aide d'ouf. Ça m'étonnerait qu'il faille faire juste un rond comme ça, mais bon. Évidemment. Ah. Ces chiffres peuvent être les années où chaque bâtiment a été 36 ou rénové par la cour. 77. Où sont les autres? 42. 41. Donc le petit, c'est 36. Donc lui, celui qui a tour. C'était bien lui le premier, malgré tout. 77 en dernier, à mon homme la vie. Donc, 41 avant 42. Donc, c'est celui-là, là-bas. Ensuite, la mairie. Et pour finir, la cathédrale. Ok. Ça représente tous les différents centres de pouvoir de la ville. Pas étonnant que la cour s'y intéresse. Bien sûr, j'aurais pas mis ton pays, c'est bien. Il m'a capté. Il est temps qu'on discute. Alors, où êtes-vous? Vous avez réussi. Ils sont là de personne. Vous croyez que je vous laisserai détruire Gotham sans rien faire? Détruire Gotham?
Nous essayons de la sauver, de préserver sa gloire. Je sens que vous avez en vous le potentiel de faire la même chose. Vous n'êtes pas le premier monstre masqué à me tenir ce genre de discours. La seule à se cacher derrière un masque, c'est vous, Miss Gordon. Jacob. Kane. Comment ? Je sais. Tout comme je savais que mon neveu Bruce jouait au gardien de la paix dans son pyjama blindé. Vous en faites pas, j'ai rien dit. Par loyauté envers Martha. Nous avons tous des doubles vies à vouloir sauver la ville du chaos. C'est juste que notre cour est bien plus discrète. Vous ne protégez pas cette ville. Votre secte et vous utilisez Gotham comme terrain de jeu. Oui, Batman aurait sans doute dit la même chose à votre place. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à Bruce. Nous avons le même but. Les mêmes adversaires. C'est du gâchis de ne pas nous rejoindre. Contrairement à vous, je ne tue personne. Nos stratégies diffèrent, je dois l'admettre. Je sais que vous avez tué Langstrom, et ensuite son assistant. C'est ça votre idée de la protection ? Ceux qui ont décidé de nous trahir connaîtront la souffrance. Langstrom a trahi la cour. Bruce se battait pour le bien de tous, mais vous, vous ne rêvez que de pouvoir. Jamais il n'aurait autorisé ça. N'invoquez pas mon neveu contre moi. Bruce me manque. Je veux des réponses sur sa mort, exactement comme vous. Ne nous comparez pas, Jacob. Entendu. J'ai protégé Bruce, mais je ne vous protégerai pas. Si vous voulez pas nous rejoindre, vous connaîtrez le même sort que Langston. La ligue. Oh, il change de masque. J'ai d'autres problèmes à régler pour l'instant. Restez hors de mon chemin. La suite ne va pas vous plaire. Oh, ils sont pas mal. Ah, pourquoi ils se retournent pas sur un certain nombre de défis et tout ça. Pour faire un marteleur. Oh, il y a le feu. Fabuleux. Voilà. La ligue. Merde. Le froid, la ligue des ombres est là. Entendu. Les secours sont prévenus. Pas de dégâts sur la durée pour empêcher d'utiliser ces fumigènes. Non, pas forcément. Il y a plus besoin que ça de dégâts sur la durée. Oh putain. Allez, c'est parti.
première rencontre du coup avec la Nuit des Ombres. Enfin, on avait déjà Talia, mais là c'est vraiment les soldats et tout. Bon, bien, c'est qui la dirige du coup. Oh mon dieu. Pardon, ça m'engage. Enfin, débloquer une nouvelle. C'est pas celle-là. Je sais pas comment utiliser la deuxième compétence sur la. Hein? Non, je crois que c'est pas ça. La lumière. Aïe, je suis niqué tout seul. C'est stylé. D'autant plus que j'étais bien placé en jeu que dans la cinématique. Je sais pas comment utiliser la deuxième capacité d'élan sur les boutons. Quand j'appuie une fois, ça déclenche le premier, mais quand je sais pas comment taper sur le deuxième. Bon. Ah, c'est le maintien. Voilà. Bah, des assassins. Du coup. Les assassins, c'est des assassins. C'est la Ligue des Ombres. Tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Le massacre de certains de nos meilleurs éléments à leur carte d'hôtel est un nouveau déshonneur pour Gotham. Il est temps que les vrais héros, le GCPD, s'imposent et rétablissent l'ordre dans notre ville. Il faut la reprendre. Ouh. Étonnamment, la commissaire Kane ne correspond pas aux voix récupérées. Hey! Ah, elle ne fait peut-être pas partie de la cour, mais il n'empêche qu'elle pourrait tout de même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ce qu'on a identifié au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé, et sûrement la vieille Cobblepot. Mais on n'a pas de ses nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La voix toute puissante avait raison, pas vrai? Personne ne croira qu'une comptine tire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langstrom. Et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés. Morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Talia. La cour et la Ligue semblent décidées à s'y triper. Alors préparons-nous à être pris dans leur tir croisé. Ok. Il y a de nouvelles infos sur le tableau d'épreuve. Catherine Kane fait pas vraiment de cadeaux à la ville. Les assassins de la Ligue. Terminer la nuit de l'hibou. D'accord. Et il me donne quoi? Une compétence, je dirais. Tenue corsaire anti-ergo. Stylé avec les couleurs comme ça. Mais il faut que je la crafte. Pourquoi il ne donne pas le style de la tenue?
Fabrication. Ah, c'est des. C'est corps à corps. Boulet. Bon, j'en ai pas de crassable de. Ok. Bon. Pour le reste. Ouais, je viens de débloquer. Et alors, il y a ça derrière. Et ça, c'est l'autre quest. Il faut que je maintienne du coup. Et maintenir carré. Voilà. Oh là là. Comment c'était si simple au final. Constance. Je suis pas un goin. Si je la vois, pff, là. Dans l'escalier de ma part. Source chiffrée. Ok. Bref. Je vais m'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés et à ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.